Les 300 euros sont où? Quels 300 euros? C'est 300 000 qu'on m'a volé. Elle a déjà remboursé 70 000. Il reste 220 000. Elle m'a donné rendez-vous dans 2 semaines. Je l'ai filmé tout. Elle dit, si tu ne me rembourses pas, je publie ça. C'est tout. Elle m'a donné le lit, la télé, la bouteille de gaz, le ventilateur. Elle dit que vraiment, prends tout ça comme garantie. J'ai pris. Après, j'ai dit que viens prendre tes choses, mais laisse. Si tu auras l'argent, non, si tu auras l'argent, tu vas me donner. Les sachants ont pris 400 000. Celle-là, Nika a pris 500 000. Ça enlevait quoi? Ça enlevait quoi sur moi? J'ai payé 42 000 euros de parti civil en France. Hein? Je madame Ben Mbassi. Ça m'a enlevé quoi? Mais voici, tu ne gagnes pas ma vie. Tu gagnes tout ma vie. J'ai dit que ma fille, elle a, j'ai vu, non, c'est une petite, j'espère que l'argent là, elle a bien utilisé ça. Parce qu'elle dit qu'elle a pris les 300 euros, allez donner, on lui a donné 40 000, elle a dit que c'est beaucoup. Mais c'est le mensonge. Parce que rien que le franc CFA dépassait 60 000 dans l'argent là. Le franc CFA qu'elle avait, parce que j'avais le franc CFA et les zéros. Tu vois? Elle a dit qu'elle a vu 4 billets de 5 000. Elle a vu les 5 500. Ce n'était pas 5 000, donc c'était dans les 4 000. Tu vois? Maintenant, les 2 000 étaient au moins 60 000. Maintenant, elle y a maintenant les 300 euros à 50 50. Elle dit que non, elle n'a pas vu 6 billets, elle a vu 5 billets. Mais tu as donc les 2 000, tu as fait comment? Elle dit qu'elle a changé à quelqu'un. Les 500, tu as fait comment? Elle dit, j'ai pris la moto et j'ai partagé encore, j'ai partagé aux autres. Donc, tu peux avoir l'argent de quelqu'un pour aller partager. Et les 5 000, les 500 000 alors, là, elle ne s'explique plus. Elle dit qu'elle a pris des 300 euros, elle allait donner. On lui a donné 40 000. Elle a vu que c'est beaucoup, elle est rentrée, elle dit que tu manques. Elle a oublié son slip. Qui a laissé son caleçon? Oui, elle a laissé son caleçon. Son caleçon est fou. Oui. Elle a dit que la chanson que ton ami chante là, tu vas confirmer ça ici. Elle a laissé son caleçon. On n'a rien fait. Rien. On n'a rien fait. Moi, j'étais déjà sous. J'étais fatigué. Fatigué, mais oui. Elle m'a calculé. Je dormais, pas somnolé, je dormais. Tu peux pas supporter. Je dormais, j'étais fatigué. Regarde la nuit qu'on a passée à Boya. Tout. Tu vois pas? Donc, si elle me manque ceci, cela, et qu'elle a pris l'argent, elle a caché quelque part, tant mieux, c'est la vie. Mais je veux dire que ma fille, tu ne vois même pas que même Dieu ne t'a pas aidé dans ton action parce que. Tu prends tout là, même 500, tu ne laisses pas la personne prendre la moto. Elle a tout pris. Et tu vois les filles là, elles volent même souvent les 5 millions blancs. Elles s'assoient encore à quoi là-bas avec les gigolos. Elles mangent tout l'argent là-bas. Oui. Elles s'asseyent là avec les gigolos. Elles mangent tout l'argent sur place. Ah oui, je crois qu'elles vont encore aller voler l'autre. Oui, elles sont idiotes. Tu vois, elles sont belles, la tête est vive. La tête est vide, comme la vidéo. Ça va dire encore que je suis pardon. En fait, je ne sais pas ce que je te dis encore là maintenant. Disons que nous sommes à Douala, ça se passe bien. Que cette fille qui a donné rendez-vous dans 2 semaines respecte sa parole, qu'elle rembourse, peut-être même pas la totalité, mais qu'elle manifeste déjà la bonne volonté d'apporter ce qu'elle aura dans 2 semaines. Ça c'est d'un. Et de deux, maintenant, Longuet l'a dit, il a crié, il a même pleuré, que comprenez que la page Longuet, ce n'est pas pour lui. Sa page à lui, c'est Longuet Simon. Un point, un trait. Donc ne lui cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas. Ceux qui publient les choses là-bas dans la page de Longuet, ça les regarde. Voilà, ça les concerne. Mais notre souhait est qu'il supprime tout simplement cette page. Parce que je ne sais pas ce qu'il gagne derrière. Même si c'est pour créer les problèmes à Longuet, même si c'est pour le tuer. S'il est dans les problèmes ou qu'il s'y met aujourd'hui, vous gagnez quoi en retour? Vous ne gagnez rien, absolument rien. Donc, s'il vous plaît, supprimez la page là, c'est tout. Dénoncez-nous le monsieur qui se cache derrière la page là. Maintenant, je veux me rendre, après, tu ne le connais plus.
Oh malin, on dit que mori, après te reconnais plus. Grandement, je m'étonne, wadona, wayem kima. Ton caleçon est fait quoi chez moi? Bon, la fille là, on te tient, il y a le caleçon là-bas. Viens avec les 200 brebis. Viens avec les 200 brebis. Elle a remboursé les 60 000 par passer son caleçon. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas le caleçon. Je lui ai dit que tu vas m'enrichir. Tu vas m'enrichir. Elle dit que pas même, pas n'importe où. J'ai ton caleçon ici, j'amène ça là où je veux et ta vie, c'est bien bizarre. Elle vit pas, elle dit que hey. C'est pour ça qu'elle elle n'est pas son caleçon. Elle m'a dit dégage, mof. Oui, elle allait me dégager très mal. Tu vois comment les filles de dehors là sont. Ouais. C'est des sorcières. C'est comme s'il y a un boulon. Vous vendez le sexe et vous vous comportez encore comme des diables. Hey, acceptez bien vos clients. Ah, oui, acceptez bien vos clients, quelqu'un qui paye bien. Vous n'êtes pas son client. Mais elle n'est pas la première, toutes les filles là. Tu viens, tu prends une fille. Elle s'assoit au VIP, elle boit. Elle boit le champagne. Après un temps, elle sort par la moto, elle disparaît. Oh oh! Papa, vous avez vu une fille? Elle vient de prendre la moto. Ouais, avec tout ce qu'elle a bu, elle a mangé, là, elle est fuie. Elles sont nombreuses comme ça. Elle n'en sait pas bien ses clients. Elle n'en sait bien vos clients. Vous vendez le sexe. Entretenez bien vos clients. Soyez des vendeuses de bonne foi. Pas les vendeuses de. S'il vous plaît, vraiment, moi j'aime mon pays. Vous avez vu depuis, je fais le vivre ensemble avec mes frères de Yaoundé. Et le manger ensemble. Pour montrer que Longa n'est pas celui-là qui est contre vous. Longa n'est pas celui-là. Mais je veux que les choses changent dans mon pays. Ça. Je suis clair. Nous voulons le changement. Le souhait de tout le monde. Nous voulons les routes, les hôpitaux, le courant. Nous voulons que tout change. Même vous-même, même si les gens à Yaoundé veulent le changement. C'est parce qu'ils ne veulent pas parler pour qu'on dise que tu parles contre ton frère. Tu comprends, non? Alors que s'ils parlaient, ça pouvait avancer. C'est ça. Si tu dis que non, il faut que les choses changent, ça rate. Ça ne veut pas dire que tu es contre le pouvoir. Non. Hein? Ça n'est pas dit que tu es contre le pouvoir. Tu dis parce que tu veux.